Les Versaillais sont toujours là. C'est à Versailles, ils les ont niqués avec le traité de la Constitution européenne. Vous voyez de venir. Versaillais sont toujours là. Origine. On lui met
Je me mets le trou. J'ai garé l'enfant, je ne sais pas, c'était le mien. Mais j'ai garé l'enfant, je ne sais plus. Enfin, je crois. Ça veut dire que je l'ai perdu. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère, non. Ça veut dire qu'il courait trop vite. Ça veut dire qu'il courait trop vite. Ça veut dire qu'il courait. J'ai garé l'enfant, non, je ne sais pas. C'était le mien, enfin je ne sais pas. Il ressemble au mien. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère, non. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il est caché. Il est perdu. Où j'étais moi, cet enfant, il cherchait sa mère, qui courait trop vite. Donc arrêtez de rigoler, c'est un art comme ça. Non, mais il y a une vraie histoire derrière, c'est ça que je veux dire aussi. Il y a des histoires derrière ces textes. Donc ce texte est extrait d'un recueil qui s'appelle Organisme vivant. Et comme l'ensemble des recueils, il y a des pièces et tout ça, c'est librement téléchargeable sur le site d'OPA. C'est le moment de publicité. OPA33.org, c'est le site internet officiel d'OPA. De toute façon, il n'y a personne qui a essayé de faire notre site que nous, mais au cas où. Ça fait vachement bien dans la com, le site officiel d'OPA. Il y a pas de contrefaçon, et ça, ouais, carrément. Ceci dit, on avait nos amis de musiciens qui avaient ouvert une page de fans sur la Facebook. Donc maintenant, on a un Facebook, bref, au Facebook, OPA33.org. Dessus, vous avez tous les textes à télécharger gratos, les albums à télécharger gratos, les dates de concert, bon ça c'est gratos parce que c'est gratos aussi. Ouais, on est vraiment sympa quoi, tu vois. Même les dates de concert, on les filme gratos quoi. Et pas mal d'informations dites alternatives, de liens, de flux RSS dans tous les sens. Donc normalement, le site d'OPA, c'est à peu près une semaine hein, pour en faire le tour. Voilà, tout ça c'est du copyleft, donc n'hésitez pas à plier, servez-vous, c'est pour vous, c'est gratos. Ouais! Ouais, c'est parce que nous on veut la culture pour tout le monde. Et surtout, on s'est dit comme ça, peut-être que ça les fera venir à nous, vous voyez. Parce que les gens aiment bien le truc gratuit. Hein. C'est gratuit, donc, ah, ah ouais, c'est gratuit, c'est de la merde, c'est gratuit. Trois en deux.